Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA en ligne pour une vidéo information. Je vais vous montrer trois nouveaux véhicules qui vont sortir la semaine prochaine, les semaines à venir, de toute façon. Donc du coup voilà, il y a 2-3 jours à peine on a eu une nouvelle voiture qui est sortie, c'était la Progone GP1 qu'il fallait vraiment aimer. C'était un véhicule un peu spécial au niveau de la forme du véhicule, vous vous rappelez-vous, mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui a eu un peu de critique en disant que ce véhicule n'était pas vraiment terrible, et je confirme, moi j'ai pas vraiment aimé, on va pas se plaindre encore, mais voilà, il fallait vraiment, faut vraiment avoir un coup de cœur pour ce véhicule, il fallait vraiment aimer. Moi perso j'ai pas aimé. Au niveau de la vitesse ça a été, même si on n'était pas besoin de custom, le véhicule il tenait bien la route quand même, donc on va pas se plaindre. On va commencer par la première voiture qui va arriver mardi là, donc qui va arriver mardi là, c'est la IK Ruston. Donc j'espère, Ruston, je sais pas, j'espère que je le prononce bien. Donc voilà, elle est tout jaune, elle est vraiment stylée aussi en jaune. C'est un véhicule, on sait pas si c'est sportif ou pas du tout, mais ça reste un bon véhicule. Après c'est à voir quand ça va sortir, on sait pas si ça va être custom chez Beniz ou pas du tout. Donc c'est à voir aussi par bah, quand les véhicules vont sortir. C'est juste les photos qui sont comme ça chez Beniz, mais perso on sait pas. C'est à voir quand ils vont sortir, donc voilà. C'est une voiture, donc je vais vous la montrer sur une autre forme avec des barres de toit qui ressemble un peu à une voiture qu'on a eu déjà sur GTA, je sais plus c'est quoi le nom, mais voilà, ce véhicule c'est la IK Ruston. Donc voilà, ce véhicule faut vraiment accrocher, moi j'adore perso. Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et quel est votre coup de cœur comme véhicule entre la 1 et la 3ème, bah, entre 1 et 2, 3 voitures. Vous me dites dans les commentaires, moi je préfère la 1, ou voilà, c'est juste pour avoir des informations. Vous pouvez donner des prix, moi je vous donnerai les prix à la fin de la vidéo pour, bah, si vous voulez savoir les prix du véhicule et tout. Donc on va commencer par la deuxième voiture qui va arriver d'ici 2 semaines, donc c'est la Pegasus Infernus Classic. Donc voilà ce véhicule, un peu une forme un peu spéciale aussi, il faut vraiment aimer. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les 3 véhicules, c'est juste des informations qu'on vous donne. Après voilà, il faut voir. C'est un peu une vieille voiture, ça ressemble à un peu une Ferrari, on va dire, au niveau de la forme. Je parle vraiment au niveau de la forme de la voiture, mais voilà, c'est un véhicule qu'il faut vraiment accrocher. Après, c'est à voir quand on va les custom ou pas, à voir si ça tient bien la route aussi pour faire des courses avec. Ça vaut pas, bien sûr, les T20, ça vaut pas les grosses voitures, au niveau des prix, c'est sûr. Donc, ça vaut pas vraiment les bonnes voitures sportives de GTA. Après c'est avant, on sait jamais, ça peut détourner des choses, c'est pas parce que le prix est pas pareil que ça peut pas détourner des choses. C'est à voir, c'est à tester bien sûr par la suite des véhicules. Après voilà, il faut les tester sur les courses. Moi perso je peux pas vous dire si ça va être bien ou pas comme véhicule, c'est à voir quand ils vont arriver. Donc voilà, on va commencer par la troisième et dernière véhicule qui va arriver d'ici 3 semaines, donc c'est la Grotic Turismo Classic, donc désolé si j'ai mal prononcé. Donc voilà ce véhicule qui est vraiment stylé, j'adore aussi, ça ressemble un peu à une Ferrari, comme un peu, bah celle-là qu'on a vu, la Pegasus, ça se ressemble un peu, c'est les deux mêmes véhicules, il faut vraiment aimer. Moi j'adore entre la j'adore la première et la troisième véhicule, le deuxième voilà il faut aimer, mais de toute façon je vais m'acheter les trois pour vous montrer un peu les tests des 3 véhicules, mais c'est sûr qu'il faut aimer. Donc voilà le dernier véhicule qu'on va avoir d'ici 3 semaines. Donc voilà, vous avez vu les 3 véhicules. Donc là, je vais vous montrer tout simplement les prix des véhicules dans l'ordre, et vous allez voir la différence des prix, c'est vraiment pas cher. Pour la Ijack, c'est 430 $. Pour la Pegasus Infernus classique, c'est 915 $ aussi. Et pour la dernière voiture, la Grotic Turismo classique, c'est 7 500 $. Donc voilà un peu les prix des véhicules. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous allez acheter ou pas les véhicules. Donnez un peu votre avis dessus. Donc voilà, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite et ciao, bye bye. Bon game à tous, salut.